Eh ben, à mon avis, toute l'introduction, ils l'ont faite à Manicourt, parce que tout ce qu'on voit dans la vidéo, c'est à Manicourt. Bon, bref. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Donc aujourd'hui, nous allons jouer à F1 Championship Season 2000, donc encore un jeu de Formule 1. Mais, comme vous le savez, si vous me suivez depuis quelque temps maintenant, je teste beaucoup de jeux de Formule 1, parce que c'est une de mes passions, tout simplement, et donc je me sens capable de bien noter ou bien d'être objectif dans ces tests. Voilà. Donc, on a trois langues. Alors, je n'ai jamais joué à celui-là, déjà je vous le dis, donc je découvre en même temps que vous. Alors, donc, on a trois langues, on va prendre français. Vérification de la carte mémoire. Je veux pas sauvegarder. Continuer sans sauvegarde automatique. Alors, on a un mode de jeu course immédiate, mode de jeu réglage jeu et sport. Alors, on va voir les réglages déjà. Langue, audio, vidéo, manette. Ok, alors la manette, on va voir un petit peu. Accélération, freinage. Ralenti. Marche arrière, bon bah ça fouille, c'est toujours pareil en fait, hein. Y a pas de grande nouveauté. Mode de jeu, on a un week-end, on peut faire donc un grand prix, ça c'est un championnat, un scénario. Ah, il y a un mode scénario, ah ça peut être sympa ça. Stage de pilotage et c'est chronométré. Ok, je vais faire un week-end de championnat, un week-end de course. On peut changer la grille et c'est libre. Options, qu'est-ce qu'on a dans les options? Ah d'accord, donc on a le nombre de tours. On peut pas mettre 16 tours, on peut mettre 4 tours. Niveau, on va mettre moyen. Voilà, on sera à peu près bien. On va mettre les dégâts, l'usure des pneus. Bon, ça on s'en fiche. Voilà, donc ça c'est bon. Alors on peut changer le pilote. Donc on a tous les pilotes de la saison 2000, je suppose. Sarah Franzen, Jordan. D'accord, donc on a toutes les voitures. Alors je sais pas ce que je vais prendre, mais j'ai bien envie de prendre une Jordan pour commencer. Parce que je trouve que la voiture de 2000 chez Jordan était jolie. On va prendre bon, les Frenzen. Boîte auto, semi-auto, auto, parce que bon là je me sens pas de passer les vitesses. Changer circuit. Indianapolis, Monza, Spa. Bon alors on va prendre au hasard. Drrr, top. Ah bah attends la Ghost, magnifique. J'aime bien le circuit. Grille perso, c'est-à-dire qu'on peut changer la grille? Ah, je sais pas ce que j'ai fait là, j'ai appuyé. Grille perso, grille réelle. Ah, d'accord. Bon, on va garder grille réelle. Essai ou course? Bon, on va faire les essais d'abord que je vois après comment ça marche. Réglage de la voiture, tour chronométré, tour de chauffe. Voilà, le tour chronométré, c'est parti. Oh, on a une jolie vue intérieure. On a plus tout ça comme vue. Oula, alors on freine comme ça, d'accord. Oulala, là là. Alors déjà, si je dois faire un premier point de vue, c'est le cas de le dire, je trouve que c'est vachement écrasé. Alors peut-être que c'est le format d'enregistrement qui est comme ça. Mais comme je vois qu'il y a deux bornes en haut et en bas. On peut pas mettre en 4 tiers, ah, dommage. Bon, c'est pas grave. On va faire notre tour comme si de rien n'était. Oh là là, alors là par contre, j'arrive pas à voir les prochains virages. Qu'est-ce qu'on a comme autre vue? D'accord. Oh, elle est bien cette vue. C'est rare d'avoir ce genre de vue dans un jeu de Formule 1. Elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme vue? La vue intérieure. Ok. D'accord. Donc là, on est à l'intérieur de la gosse. Donc le circuit je le connais mais je me souvenais pas que ça descendait autant. Oh là là, par contre ça tourne pas super facilement, bon pourquoi pas. Faut vraiment que je m'habitue au maniement de la voiture. Olé. Alors j'ai beau freiner comme un bœuf, la voiture n'allume pas ses roues, enfin les roues ne sont pas bloquées. Je prends la fonce, hein. Ouais. Alors on va mettre cette vue, on peut voir que le son augmente un petit peu, donc ça c'est pas mal. Sinon, au niveau de la voiture, est-ce que j'ai une vue arrière? Ouais, j'ai une vue arrière. Bon, on va peut-être pas trop exagérer sur la vue arrière. Bon, les voitures ont l'air bien modélisées. On reconnaît bien le... On reconnaît bien le Jordan. Hein. Alors, j'aime bien cette vue. Je trouve pas mal. Par contre, j'ai pas trouvé les vues de haut très jouables. Donc là, on freine. Allez, on va encore essayer de faire un tour.
et après on va faire la course. Au niveau des sons, bon bah c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Bon, les graphismes, donc bah, ils sont très bien, ils sont très propres. Ils font pas kikou, c'est-à-dire que ça fait assez réaliste. Ils sont pas très clairs comme par exemple Formule 1 98, ni trop sombres. Donc pour l'instant, c'est une bonne surprise. Par contre, voilà, alors là je sors de la piste, du coup ça va pas être génial. Par contre, au niveau du maniement, je trouve que c'est un peu bizarre. C'est-à-dire que, bon, ça tourne pas très bien déjà, mais quand on est en ligne droite et qu'on met des coups de volant, la voiture part très régulièrement sur un axe. On a l'impression que, je sais pas, quelque chose qui manque de réalisme. Je trouve que ça manque un petit peu de réalisme. Mais bon, faut dire aussi que dans Formule 1 97, 98, c'était un peu la même chose. Je pense que c'est un peu récurrent au jeu PlayStation 1, donc je vais pas dire grand chose là-dessus. Alors j'ai fait un tour pas trop mal, je vais voir combien je vais faire. Ouais, faut que je dis pas trop mal. Je vais terminer en 1-10 peut-être. Ouais, 1-10. Allez, on quitte. On retourne. On clôt la séance. Je sais même pas combien je pars. On va prendre course. Recommander tendre. Bon, on va prendre tendre alors. On a 4 tours de course pour le Grand Prix du Brésil. Bienvenue au Grand Prix du Brésil, ici sur le circuit d'Interlagos. Les pilotes étant prêts pour le tour de formation, on les rejoint sans attendre. Oh, il y a la safety car. On voit le tour de formation en direct. En pole position. Et alors là, grosse surprise quand même, Jean-Louis Moncé qui fait les commentaires alors qu'on l'avait plus dans les Formula One depuis le 97. Donc ça veut dire qu'en fait c'est lui qui faisait pour FIA Championship saison 2000, d'accord. Cinquième position, Giancarlo Fisichella dans la Benetton. Ah, du coup ça met beaucoup plus d'ambiance. Hein. Je vais pas balancer, mais les commentateurs de 98 étaient vraiment des gros navets, pourtant il y avait 20 billets. Mais ceux-là ont l'air pas mal. Décevante 10e position, Villeneuve dans la 2e BAR. En 11e position, Ralph Schumacher et sa Williams. 12e tout de même, Yarno Trulli dans la Jordan. D'accord. Vaux dans la Benetton et 13e. Jos Verstappen 14e. On va voir ce qu'il veut dire sur moi. Alesi dans la Prost et 15e. De La Rosa dans la 2e Arrose. L'accompagne en 8e ligne. En 9e ligne seulement, Herbert dans la Jaguar. 18e position, Gené dans la première. Attendez, mais j'ai fait une 10 et quelques mois là. Le 19e chrono seulement, la Prost de Nick Hedfeld. Ouais. 20e, ce qui ne va pas lui faciliter la tâche, Pedro Diniz dans la première. D'accord, en plus, il y a vraiment des commentaires typés pour les joueurs. C'est vraiment sympa. Attention, on accélère, on est parti, le départ est lancé. Et on est parti. Ah, j'ai fait le 7e temps quand même. Oh là là, par contre, elle a vraiment du mal à s'élancer la voiture. J'ai déjà perdu une position, deux positions. Oh là là, alors là, ça s'élance déjà dans le premier virage. Les voitures sont au coude à coude. Alors que je viens de toucher une Williams. Alors, apparemment, il y a quelqu'un qui me parle au micro, mais j'entends pas du tout ce qu'il me dit. Ah, donc là on a perdu deux positions, on est déjà 9e. Alors franchement, la mise en grille, enfin le tour de formation avec les commentateurs, génial. Franchement, ça fait très longtemps que j'avais pas entendu ça. Et ça fait vachement plaisir. Ouais, donc en fait on a le spotter qui nous explique un peu où sont les positions. Par contre, j'entends plus les commentateurs là. Je n'entends plus Jean-Louis Moncé. C'est-à-dire que j'ai que le son de ma voiture et le spotter. Donc là on va essayer de se concentrer histoire de faire au moins un tour correct. Alors je vais le prendre par l'extérieur, je suis un fou. Oh oui. Oh là là, je l'ai pris à l'extérieur. Magnifique. Oh là là, il s'est casé devant moi. Attention. Ah, du coup je sors dans la piste. Heureusement je suis revenu sans trop de dommages. Aïe 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 aïe, la réaccélération. Ah par contre. Oh là là. Oh mon dieu, c'est l'accident. Et devant, il a loupé son freinage apparemment avec la McLaren.
Donc franchement, au niveau ambiance, on s'y croit pas mal. Par contre, les dommages quand on touche les voitures, je trouve ça un peu bizarre. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de débris qui partent. Mais au final, y a rien qui influe sur la voiture. Oula, par contre, c'est vraiment difficile de bien manier tout ça. Allez, donc là, on est quatrième. Je suis en mode moyen, donc je trouve que je m'en sors pas trop trop mal. Bon, j'ai une bonne voiture, hein. J'ai quand même une Jordan. À l'époque, les Jordan étaient assez rapides. Donc là, on a déjà fait un tour. Oui, donc on doit avoir les dégâts sur le côté, sous la forme d'une barre, si j'ai bien compris. Oh là là, alors là, je sors complètement à l'extérieur. J'ai vraiment du mal à tourner. Là, je suis derrière David Coulthard. Je pense qu'on va marquer David derrière l'aileron. Non, franchement, pour l'instant, je suis vraiment, vraiment très agréablement surpris de ce jeu. Bon, dès le départ, je n'avais pas émis d'opinion, hein, c'est-à-dire que c'était vraiment... je n'avais aucun avis. Et je dois avouer que pour le moment, je suis assez surpris dans le bon sens. Parce que l'histoire des commentateurs, donc Jean-Louis Moncey, déjà, c'est un gros plus, parce que ça met vraiment dans l'ambiance. Les graphismes, très propres. La maniabilité qui reste assez correcte. Bon, il y a eu mieux, hein, mais je trouve que ça reste très jouable. C'est pas le plus réaliste, on est d'accord. Par exemple, quand je vais dans l'herbe, bon ben, je glisse pas trop. Mais franchement, on s'y croit. Enfin, faut se replacer dans le contexte de l'époque, on s'y croit. Bon, c'est vrai que la PlayStation 2 était sortie un peu à ce moment-là, enfin au Japon, du moins en 2000. Oui, j'ai peut-être doublé. Magnifique. Mais c'est quand même bien. Et là, apparemment, ils se sont touchés. Je vais essayer de les prendre à l'intérieur. Oh, on retarde le freinage. Oh. Et en plus, il m'évite. C'est-à-dire qu'il se place sur le côté droit. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle est vraiment bien, vraiment bien faite. Parce qu'il aurait pu bêtement tourner et on se serait rapproché. Et là, non, il a quand même dévié sur le côté. Donc, encore un gros plus pour l'IA. Non, franchement, pour le moment, j'ai pas grand chose à dire parce que c'est vraiment bien. Enfin, je suis vraiment bien surpris. Alors là, on va essayer de le passer au freinage. On va retarder le freinage au maximum. Et attention, on freine. Waouh. Ah ouais, il faut vraiment freiner parce que sinon on tire tout droit. Et voilà, il m'a repris. J'ai de l'avoir à la réaccélération sur le côté. Ouais, c'est pas évident parce qu'il doit avoir l'aspiration de la voiture de devant. Et non, j'arrive à passer quand même. Bon, mais je m'en sors pas trop mal. Il est juste derrière moi. Ouais, il est juste derrière moi. Ah, je suis carrément pris dans le jeu. Je suis carrément pris dans le jeu. Ah, c'est quand même... franchement, j'adore Formula 1, mais c'est quand même un niveau au-dessus ce qu'on est en train de voir là. Parce que c'est beaucoup plus fin. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins rapide. Je trouve que le... Comment dire... La vitesse d'affichage est un peu moins rapide que celle de Formula 1. Mais c'est pas vraiment gênant, au contraire, ça nous laisse plus le temps, j'ai envie de dire, de réfléchir sur ce qu'on va faire. Voilà, je me suis complètement loupé. Mais j'ai réussi à bloquer la McLaren. Et pas trop de clipping aussi. C'est-à-dire qu'on voit vraiment les détails au loin. C'est quand même assez impressionnant. Ils ont vraiment exploité la console au maximum. Alors ouais, au freinage, là, à chaque fois, je me fais avoir. Mais pour l'instant, je suis toujours en tête. Et d'ailleurs, il ne reste plus qu'un tour à faire. Alors, si je commence le jeu en moyen avec une victoire, soit je suis très fort, soit le niveau moyen n'est pas si difficile que ça. Tout simplement. Donc, on verra peut-être le niveau difficile après. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est surtout le mode scénario. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'on nous propose, parce que ça, c'est la première fois que je vois ça. Alors, je me souviens du mode échelle de Formule 1 95, donc il permettait de... Ah non, c'était pas le mode échelle, c'était le mode duel, je crois. Ouais, le mode duel, qui permettait de... À chaque course du championnat, de devoir battre un pilote sur la grille. Donc au début, on commençait à se battre contre un pilote d'une petite écurie. Donc c'était assez facile, puisque le pilote terminait dans les 20e positions. Et puis on est arrivé dans les courses vers la fin, et bien on devait battre des pilotes comme Alesi, comme Schumacher. Et du coup, c'était beaucoup plus dur parce que ça sous-entendait gagner la course. Voilà. Donc là, j'ai hâte de voir le mode scénario, ce que ça va donner. Bon, c'est vrai que je finis la course, mais c'est vraiment parce que j'ai envie de la finir. C'est-à-dire que vraiment, le jeu là, il me plaît.
simplement. Ouais, ah, il me plaît, il me plaît. Ça se trouve, vous aurez droit à un ending championnat dans ce jeu, comme j'ai fait pour 98, même si le 98 n'avait pas beaucoup plu. J'ai quand même essayé de terminer, voir ce que ça donnait. Et vous avez eu droit à la vidéo de fin. Donc peut-être que pour celui-ci, vous l'aurez aussi. Donc voilà, on va arriver sur la ligne. Je vais changer de vue. Donc la vue intérieure. Alors cette vue, je la trouve injouable. Franchement, cette vue, je trouve que c'est le mieux. Et cette vue, bon, elle est pas mal. Par contre, on a l'impression que le volant est en carton. Quelle victoire, ça a été fantastique. Alors par contre, ouais, le spotter, faudrait vraiment... Vraiment, qu'ils augmentent le son. Ainsi se termine ce Grand Prix qui, nerveusement, aura été vraiment épuisant. Quel fantastique résultat pour Ensaral Frenzen. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas notre prochain rendez-vous. Oui, notre prochain rendez-vous. Ah, bon, à mon avis, on n'est pas en mode championnat, donc c'est pas la prochaine course. Ah, voilà, donc les commentateurs, c'est vraiment... Qu'à des moments bien distincts, c'est-à-dire la grille et à la fin de la grille, d'accord. En plus, on a le classement final comme ça. On ne classait aucun. Voir les temps forts, oui, non. On peut voir les temps forts, je vois un peu oui. D'accord, donc le départ. Bon, ok, on va quitter. C'est ralenti. Voir l'analyse de course. Oh, ça c'est pas mal aussi. On a la progression dans le niveau des places. Donc au premier tour, je partais 7ème. Au deuxième tour, je me suis retrouvé 4ème. Puis après, j'ai terminé premier. D'accord. On peut descendre. Ah, on peut voir tous les pilotes. Alors là, franchement, c'est vraiment excellent. Je veux pas dire, mais c'est la première fois que je vois ça. Une analyse de course comme ça. Ah ouais, franchement. On va de surprise en surprise dans ce jeu. Alors. Week-end de mine. Donc on va sortir. Je veux pas un week-end. On va tenter le mode scénario. Qu'est-ce que c'est que le mode scénario? Choix du scénario. Premier choix du scénario. Ah, à mon avis, on peut pas changer. D'accord. Bon. Donc, à mon avis, on a un seul scénario débloqué au début. Premier point. Donc, à mon avis, je pense, sans trop m'avancer, que la première chose à faire, ça va être de terminer dans les points pour le Grand Prix de Melbourne. Alors voilà, c'est l'épreuve de voiture de la saison. Il faut prouver que l'écurie bar est un client sérieux. Huitième au départ, vous devez terminer dans les 4 premiers. Ah, ouais! Ah, quand même! D'accord, d'accord. Alors, je sais pas combien de tours il va y avoir. Donc là, apparemment, on a la cons... Donc, il y a les dégâts, les pannes, le drapeau et la consommation de carburant. Ok. Eh bien, on est parti. C'est le coup d'envoi de la saison 2000. Nous sautons dans la voiture de Jacques Villeneuve en quête des premiers points de l'écurie bar en Formule 1. Oh là là, en tout cas ça a l'air vraiment bien. Et en plus il fait pas beau. Ah, ça commence très fort ça. Et en plus j'ai vraiment fait un départ pourri. Donc soit il fait super sombre, soit c'est mouillé, mais je pense que c'est mouillé puisqu'on voit le reflet de la piste. Mais alors là, oh là 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 là. Oh là 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 là, en plus je pars en tête à queue direct. Oh là là là, d'accord. Ah ben alors là par contre ça risque d'être beaucoup plus difficile. Allez, c'est pas grave, on est dernier. Alors j'ai l'impression qu'au tout début, au départ, la framerate baisse pas mal, c'est-à-dire qu'on est vraiment... Bon, je connais le circuit de Melbourne, mais franchement, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là, oh là là, et ça glisse un petit peu. Bon, ça paraît normal puisqu'il y a de l'humidité. Ah. Donc là j'arrive à me prendre des positions. Oula, on va essayer de pas trop faire le bourrin, il faut pas que je perde mon aileron avant. Donc là il y a une barre rouge. Oula, j'ai sorti une arrose de la piste. Là, à mon avis il faut freiner ici. Allez, on réaccélère. Donc elles ont pas l'air super rapides les autres voitures parce que quand même je les rattrape assez rapidement. Voilà, on est 12ème. On va essayer de doubler au freinage là. Ouf, par contre au freinage, il faut vraiment faire attention. Alors que devant, ça se touche. Ah, drapeau jaune, donc ça veut dire qu'on ne peut pas doubler.
Non, non, c'est toujours drapeau jaune là. Pourquoi il me demande de passer? Non, non, drapeau jaune. D'accord, donc là, drapeau jaune. Et il y a 16 tours à faire. Oh là, non, non, on pourra pas le finir, ça, je suis en train de poser. Donc là, drapeau vert, d'accord. Voilà. Ah ben voilà, ben j'ai coupé d'une pénalité pour avoir coupé la chicane. Du coup, on va aller purger notre pénalité. On va devoir purger notre pénalité. Donc, on va aller au stand. Par contre, je trouve que le circuit est vachement sombre. Je sais que c'est parce qu'il fait pas beau, mais quand même. D'accord, donc j'ai prendre une pénalité. On va aller au stand. D'ailleurs, ça sera l'occasion de voir à quoi ça ressemble. J'espère qu'il n'y a pas aussi une limitation de vitesse au stand, parce que sinon... Ok. Donc là, on va purger notre pénalité de 10 secondes au stand. Donc il y a 16 tours pour terminer premier, donc du coup, je vais pas le faire. Je vais pas le faire, ce serait trop long, on finirait dans 20 minutes. C'est pas la peine. Donc là, je vais partir dernier, hein. Ça va de soi, je pense. À moins qu'il y ait un abandon. Ah, c'est dommage. Bon, quoi qu'il en soit, on vient de voir un temps un peu plus pourri. On vient de voir un autre circuit. Non, franchement, il est bien le jeu. Je m'y plais beaucoup. Je pense qu'on va quitter ce mode. Ah, par contre, ça va vachement plus vite hein, quand il n'y a plus de voiture en face de nous. Donc, à mon avis, il y a des gros soucis de framerate. Ça, par contre, ça va être un gros défaut. Parce que quand il y a beaucoup de voitures devant nous, eh ben, le jeu est au ralenti. Alors là, je sors complètement. Ah, ben voilà, je reprends 10 secondes. D'accord. Ok. Donc on va vraiment pas faire comme dans les Formula 1 précédents, même si c'est pas un Formula 1, enfin on peut vraiment pas le faire. Donc là j'ai sorti trop large, j'ai pris une pénalité. Après peut-être que c'est parce que c'est le mode scénario. Enfin bon. Bah pas mal, bon, j'ai complètement échoué, mais vraiment bien. Vraiment. Alors, stage de pilotage. Qu'est-ce qu'on a comme stage de pilotage? Reconnaissance, changer pilote. Ok. On va faire le stage de pilotage. Plot bleu, repère de virage. Freiner ici pour le virage. Plot orange, repère de virage. Commencer à tourner ici. Plot jaune, point de corde. Partie de virage, appui serré. Plot blanc. Ah, j'ai pas eu le temps de lire. Tenir la gauche de la piste pour l'approche du premier virage à 300 km/h en 6e. Freinage en seconde pour le premier virage. Réaccélération dans le gauche avec sortie en 4e. Ok. Donc là, il nous montre. Ok. Exercice complet. On est parti. Toi, écraser l'accélérateur pour le prochain tour. D'accord. Donc c'est pour nous apprendre le circuit là. Essaie au maximum de ne pas renverser les cônes. Ok. T'es en train de prendre le coup. T'as bien viré là. Merci. Ah ouais, il y a quand même une auto-école et tout dans le jeu. T'as franchement. Ah, il est vachement complet le jeu, honnêtement. Ici. Merci. Merci ma poule. Décale-toi un peu plus à gauche. Ah ouais, il nous apprend carrément les trajectoires du circuit. Tôt, mais c'était pas mal du tout. Ah ouais. Problème avec le freinage. Ok. Bien. Bah pour l'instant, il a l'air content. Ah ouais, mais franchement, je me demande qu'est-ce qui manque à ce jeu, parce que franchement... Qu'est-ce qu'il y a à venir là? D'accord, ok. Ah, je suis large. Bah ouais, non mais en plus il dit vraiment ce que je fais comme bêtise, donc ouais, non mais... Aïe, 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 là je me suis loupé. Un peu trop à gauche, et là un peu trop à droite, non c'est bon. Essaie d'approcher le virage plus à droite, autrement c'était pas mal. Ok. D'accord, bon bah c'est pas... Un peu tôt. Oh, un peu tôt, d'accord, ok. Merci. Pas trop tôt la prochaine fois. Ah ouais, ouais, non mais c'est vraiment, vraiment bien. Hein. Bien viré, là. Si. Oula, j'ai écrasé le frein. Tu peux faire mieux que ça, ne touche pas les cônes. Ah bah j'ai touché les cônes. Première corde. Pleine charge ici, c'est ça. 77%, d'accord, donc on peut taper notre nom. Bon, tiens, je m'appelle GBC, voilà, GC. Ok, donc j'ai un prix. D'accord, d'accord. Analyse. D'accord, freinage 33%, virage 77, trajectoire 82, vitesse 84, total 69. Une des stands. Ah, d'accord, donc tu te montres secteur 2, secteur 3. Ah ouais, mais c'est vraiment, vraiment pointu. Hein. Ah, franchement. Pire virage.
Freinage est complètement loupé, d'accord. Ah bah franchement, on est à 26 minutes, je pense pas qu'on va faire, je vais vous montrer d'autres trucs. On va limite un début de championnat. Mais je suis vraiment sur le cul, là, je fais tomber mes oreillettes. Je suis vraiment sur le cul parce qu'il y a vraiment plein de trucs. Puis là, alors là, l'analyse du pilotage et tout, c'est vraiment excellent. Franchement, là, j'ai rien à dire, hein. Franchement, à part les graphismes, bon, ils sont Play 1, le reste, c'est monstrueux, hein. C'est vraiment trop bien. Bilan du stage, on s'en verra plus tard. Allez, on va faire un championnat. On va voir un peu ce que ça donne. On va prendre une voiture, on va prendre Williams, Benetton. Je vois un peu ce qu'il y a comme voiture. Bon, on va prendre. Allez, faut qu'on se dépêche un peu. Allez, on va prendre une Prost. On va prendre Alési. Sec. On va mettre aléatoire. Saison, tiens. Nombre de tours, on va mettre 4. Niveau difficile, non, on va mettre moyen, comme d'habitude. Dégâts, on va les mettre. Le drapeau, qu'on veut commencer. Ok, c'est bon. Donc là, on va commencer direct au championnat 2000. Alors, est-ce qu'il va y avoir une introduction pour le championnat 2000? Je suis pas sûr. Alors, franchement, là, en débutant le test, je me suis dit, ça allait faire, bon, 2-3 modes, voir un peu comment ça marche. Mais là, il y a pas mal de choses à faire et c'est pas mal, c'est vraiment bien. Allez, je vais faire juste une qualif, faut voir combien je pars sur la grille. On peut voir le classement, d'accord, ok. Tour chronométré. Allez, c'est parti. Donc là, on a la Prost. La Prost qui m'a l'air pas trop mal réalisée. Ouais, c'est la Prost de 2000. Elle y ressemble, c'est le principal. Ok. Par contre, je sais pas si les voitures ont des performances différentes entre elles. Ou si c'est toutes les voitures au même niveau. Normalement, non. Je connais pas beaucoup de jeux de Formule 1 où c'est le cas. Voilà, bon, on peut le dire. Bon, c'est vraiment juste pour faire un tour de qualification et encore, je suis pas sûr que je le finisse. Bon, je vais finir pour voir ma place sur la grille. Et après, on fait le départ de course. Et je vous laisserai là-dessus. Qu'est-ce qui se passe là? Non, j'ai entendu un truc. Alors, c'est vraiment dommage, on n'entend pas beaucoup le spotter. Alors, peut-être qu'on l'entend mieux quand on est à l'intérieur de la voiture. On va essayer d'ailleurs. Un petit peu de vue intérieure. La vue intérieure est pas mal. En plus, on a l'éclairage dans le. Pour voir le régime moteur au-dessus du volant. Par contre, on voit que le volant il bouge un peu trop, ça c'est pas super bien fait. Mais bon, ça se tient. Voilà. Donc là, on va continuer. Je vais remettre la vue un peu extérieure. Voilà. On réaccélère. Non, franchement, bon jeu. Très bon jeu. Je trouve qu'il écrase carrément les Formule 1. Peut-être pas le 97, mais en tout cas, Formule 98, il écrase littéralement. Et d'autres licences aussi. D'autres licences. Parce qu'il est vraiment bien au niveau du maniement, il y a plein de choses. Sauf les baisses de framerate. Ça, c'est un peu dommage. Allez, on quitte. On clôt la séance. Schumacher, pole position. Ok. Ok. Et je pars combien, moi? Allez, vite, on court en rien un petit peu. Oh, bah, je pars dernier, d'accord. En plus, j'ai une seconde de retard. Bon, bah, c'est pas grave. Allez, un petit départ. C'est Jean-Louis Moncey qui vous accueille avec un très grand plaisir sur le circuit d'Albert Park à Melbourne pour la manche d'ouverture de cette saison 2000, le Grand Prix d'Australie. Ok, on est parti. Allez, je vais faire un petit peu de premier tour. En plus, on voit les effets de chaleur derrière la voiture, ça c'est pas mal. On accélère. Alors j'ai patine trop parce qu'à mon avis il faut vraiment gérer l'accélérateur. Donc je suis pas dernier, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Mais bon, c'est pas non plus excellent. Alors, je suis en mode moyen donc c'est un petit peu normal. Il y a vraiment une baisse de framerate. Oh là 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 là, regardez-moi ça. Donc là j'ai l'aileron avant qui est un petit peu cassé. Mais bon, ça c'est pas visible, c'est-à-dire que. Il a l'air nickel quand je fais cette vue. Alors on va doubler mon coéquipier par l'intérieur. L'extérieur, pardon. Oh bah voilà, bah lui il passe devant du coup. On va freiner avant. Ah, comme je les ai eus.
Là, je réaccélère à fond, je vais pouvoir passer la rose. Elle l'ouvre un petit peu, mais je vais la passer. Oh là là, quel PGM. Allez, on termine le premier tour et je vous laisse là-dessus. Et je vous laisserai, je veux dire, du coup. Ah, bah là, je suis content de la piste. Alors, je peux accélérer à fond dans l'herbe, ça n'a pas posé de problème. C'est... Par contre, ça, c'est un petit défaut. Normalement, quand on accélère sur l'herbe avec une Formule 1, bah, ça patine beaucoup. Ou on part en tête à queue directement. Parce qu'il y a trop de puissance dégagée par les roues arrière. Et là, bah, ça n'arrive pas du tout. Donc, on va dire que c'est un petit défaut. Mais vraiment, vraiment, il n'y en a pas beaucoup. Je lui trouve pas beaucoup de défauts. Au niveau de la hiérarchie, elle a l'air bien respectée. C'est-à-dire que bon, les roses dans sa position, ça paraît logique. J'ai pas mis les drapeaux, donc normalement j'ai pas la pénalité, mais bon. Oh oulala, 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 ça s'est touché. Ça s'est touché, j'ai mis la voiture dehors. Là pareil, j'ai fait le gros bourrin. J'ai envie de faire le bourrin juste pour voir un peu les dégâts sur la voiture, mais bon, à mon avis, il y aura juste le rond qui va partir. Voilà, là j'ai encore poussé une voiture. Bon, par contre, les chocs entre les voitures sont pas super bien réalisés aussi. Voilà, ça c'est un deuxième défaut. Mais là, bon, à ce niveau-là, c'est pas trop gênant. On n'est pas comme en 98 où ça se touche et on rebondit dans tous les sens. Allez, c'est là-dessus que je vous laisse, en pleine accélération. Formula One Championship 2000, un super jeu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Ciao tout le monde.